Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare, consacrée à la découverte du nouveau mode essentiel, Mosh Pit de mode de jeu sans série d'élimination, amélioration de combat ou atout. Donc vraiment un mode classique, on va avoir aucune assistance, là c'est ton arme, ton couteau. Et tu perds au combat, rien de plus. Donc ça peut être fun, c'est un peu, je dirais, l'équivalent du coup, par exemple, du mode sans spécialiste qu'on avait sur Black Ops 4. Sauf que bon, dans ce mode-ci, on avait les atouts, les séries d'élimination. Là, vraiment, t'as rien du tout. Vraiment, c'est... Oh, sans être vulgaire, c'est ta bite et ton couteau aussi. Ça fonctionne dans ce sens-là. Donc on va découvrir ça ensemble. Je pense que ça peut donner un bon truc. Donc normalement, on a quand même les accessoires hein, sur les armes. Ça n'a pas l'air d'être retiré. Sinon, ça aurait été précisé dans la description de ce mosh pit essentiel. Du coup, partons au combat. Arc of Peak. Bon, en vrai, ça va. C'est du point stratégique. Donc, malgré que la map bon, est un peu grande quand même, hein, surtout pour du 6 contre 6, ça devrait quand même passer. Bon, vu que tout le monde va aller sur le point. J'espère, hein. Bon, par contre, il y a des claviers souris. Et ça, c'est moins appréciable. Oh, que oui, directement. Et là, tu peux dire que tu vas être tranquille, hein, aucune série de points, donc il n'y a même pas de drone, il n'y a rien du tout, quoi. Les atouts, après, je dirais, bof. Ils sont pas si puissants, de toute façon, les atouts, je trouve, sur Modern Warfare, donc qu'on les ait ou qu'on les ait pas, ça fait pas un gros différentiel. Pareil, hein, les améliorations de combat, comme vous pouvez le voir dans mes gameplays, je les utilise très rarement depuis la sortie du jeu. Donc ça, pareil, ça me choque pas non plus, plus que ça, hein. On va voir, hein, on va voir, mais ça peut être des games du coup un peu plus chill sans tout ça. Vraiment, c'est ce que je peux penser. On va prendre la petite SA-87 avec la variante en plus qu'on a le pass de combat, c'est au palier 1 parce qu'elle est super. Elle est super parce qu'il y a un superviseur et voilà, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Bon, le point du coup il est là-bas, oui, comme d'hab. Hein. Il y a déjà les mecs au top. Ouais, comme d'hab. Hein. C'est bon, que d'habitude. Que d'habitude avec avec tout ça. Est-ce que j'aurais l'audace et le culot d'aller chercher le mec qui était au top là? En vrai, on peut tenter, hein. Mais ça va être compliqué. Allez, montre-toi là. T'es à ton top là, t'es secure. Wow, wow, wow. Il a complètement foiré son C4 par contre. Mais wow, wow, wow. Fais gaffe quand même à ce que tu fais, toi. C'est bon, on l'a eu. Voilà, tout l'objectif de cette partie était finalement de tuer ce campeur. Mission accomplie, voilà, il n'y a plus rien d'autre à faire maintenant, on peut mourir 10 fois d'affilée, je m'en fous, j'aurais eu mon petit kill comme il le fallait. C'est une blague, hein, bien entendu. Ghost et va se blague. Là, je sais pas pourquoi ils étaient deux, mais super, voilà. Mais la SA-87, du coup, depuis que j'ai cette variante, je la trouve beaucoup trop bien. C'est fou, genre une variante qui change du coup le viseur de l'arme peut complètement révolutionner les armes, c'est presque ça l'idée. Mais je m'amuse bien à jouer à la SA-87 alors que pourtant au début du jeu, je l'avais déjà dit en vidéo d'ailleurs, c'était pas trop ça quoi. Hein. Il y avait quelques contradictions hein, avec cette dernière, mais maintenant c'est cool. Par contre, je viens de voir, mais ils ont vraiment eu 54 points en un seul point stratégique. On va essayer un peu de défendre, hein, et d'attaquer aussi. Hein, du coup, parce que là, ça craint un peu en niveau score. Je sais pas d'où ils ont pu nous sortir autant de points en un seul point stratégique, mais ils ont un peu charbonné là. Bon, c'est clairement une game qui va finir avec peu d'élimination de toute façon là, parce que ouais, tu vois, c'est... Quoi? Et par contre, je sais pas comment il est mort. Ouais, on voit pas grand monde quoi pour l'instant. Hein. Le 6 contre 6 sur Arc of Peak, c'est pas l'idéal pour des games bien dynamiques. Ça devrait arriver là, je pense, au point stratégique, non? Avec les deux mecs là qui m'ont foncé dessus. Ah, ils sont dans la fumée. Ah! Je me suis fail. Je sais même pas ce que j'ai comme grenade là d'ailleurs. Pourquoi j'ai une grenade aussi tout court? J'en ai aucune idée. Trop d'incompréhension. Moi j'ai envie d'aller chercher là, les deux. Il y en a un là, ouais. Il y a le deuxième encore. Je tire au hasard là, clairement je le vois pas. J'ai pas le temps de le voir. Ok, on défend, on défend. Parce que là on va peut-être leur mettre une égalité, hein, presque en tout cas. Si on fait full capture pour ce point. On est à combien là? Oh, on leur a passé devant. Ah ouais. Eh, dis donc, il y a de l'efficacité à revendre ou pas? Beaucoup trop chaud ça. Ils ont joué les alliés. Bon, moi j'ai un peu défendu quand même, j'ai réussi à faire mon boulot, mais... Ils ont bien capturé aussi, hein, nickel. On est peut-être parti pour une game qui va être tressée. Genre, tu sais, ça va être alternance. Un point, c'est les ennemis qui vont tout le prendre.
un autre point, c'est nous qui allons tout lui prendre. Mais ça va vraiment alterner un coup à l'autre. Oh, ça va être chiant, ça va, par contre, avec la stat. Et je me trompe encore. Faut vraiment que je change ma classe et que je mette le stimulant. Parce que là, tu vois, j'essaye de mettre un stimulant, du coup, mais à chaque fois, bah, il n'y a pas de stimulant. Donc, c'est un peu problématique. Et là, je sais pas comment y aller, hein. Vu qu'ils sont avec la statue. Le ciel top. Ah, je crois que ça a dégagé un peu les ennemis. On va aller à la place du premier campeur, là, non? Y'a personne. Oui, mais au moins par là, je vais me faufiler. Je vais me faufilasse. Hop. Oh, mais c'est vrai que j'ai pas stimulant. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf de pas avoir stimulant. Allez, vite, on change ça, là. Là, peut-être que j'aurais survécu, tu vois, si j'avais pu mettre un stimulant, mais j'en avais pas. Je pense que c'était pour un défi. J'avais mis une grenade flash ou para, là, mais bon, le défi, j'ai sûrement dû le terminer depuis longtemps, mais j'avais pas eu le réflexe de changer ça entre-temps, quoi, et de remettre mon stimulant. Comme quoi, tu vois, jouer sans stimulant, pour moi, c'est mission impossible, hein. J'ai tellement le réflexe depuis la sortie du jeu à jouer avec que tu me proposes une classe sans... non, non, en fait, c'est clairement pas possible, je peux pas. C'est trop compliqué. Le stimulant, c'est la vie. Ouais, bon, on va aller par là, on va aller vers le point. Ici, il y avait personne, de toute façon. Ça va peut-être arriver par derrière, après. Ah oui, surtout que le point, c'est direct ici. Ah là, par contre, ça m'aurait peut-être arrangé la flash par off pour faire une percée dans le point. Non, c'est bon. Après, ça va sûrement arriver par par ma droite. Oh, conteste. À droite, je suis sûr. Je suis sûr, ouais, c'est ça. Encore conteste. Ouais, je mets une Semtex au cas où. Oh, stimulant. Oh, quel plaisir. Ah, mais il faut qu'on les batte, là. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, 8 kills, hein. Et pourtant, regarde, avec 8 kills, bah, j'ai le plus de kills de la partie. Eh ouais, Arc Love Peak, hein, 6 contre 6. On est là, on est présent, on reconnaît bien. Faudrait un point là en plein milieu, je sais même pas si ça existe en vrai. Un bon point en plein milieu de la map là, ça ferait une zone où on pourrait choper un maximum de kills. Ce serait tellement qu'on teste le truc. Oh bah non, c'est toujours pas maintenant en tout cas, il y en a pas je pense. Hein. Là c'est tout au fond de la carte en plus, va falloir aller le chercher lui. Hop. Je me faufile et y'a personne. Où sont les ennemis? Hop, il y avait lui. Là, normalement, en plus, le point, c'est leur spawn, hein. Je pense. Ah, dommage, assiste. Quoique, les spawns ont peut-être tourné, et du coup, ils spawnent derrière. Ah là 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 là, dommage. Bah non, vu qu'on spawn là, ouais, donc ils spawnent vraiment derrière. Ils vont pas spawner là, maintenant, dans ici, quoi. Sinon, c'est un peu restreint. Ça doit être ça. Lui, je sais pas comment il est mort, par contre, mon allié. Ah. Bon, non, il y en a un autre, il m'a pas vu, c'est bon. Et il y en a pas qu'un d'ailleurs. Donc il spawn vraiment ici. C'est quoi ce bordel? On en profite nous, hein, mais il spawn vraiment ici. C'est vraiment impressionnant. Tout ce que je puis dire, c'est impressionnant. Ils ont encore le point en plus. Ah, dommage. Ah, il y en avait encore derrière. C'est quoi ces spawns? Sérieux? Mais what the fuck? On est tous en train de spawn. Bon, là, non, plus maintenant, en vrai. Mais sinon, bah, quoi que si, hein, parce qu'en vrai, on est pas loin. Hein. On est... Les deux équipes sont en train de spawn près du point stratégique, quoi, en mode collé serré. Sympatoche. Au moins, le bon côté des choses, c'est que du coup, là, ça manque pas d'activité. Ouais, on croise des ennemis, regarde. Hop, hey, on a doublé notre nombre de kills. On était à 8, on est passé à 16. Stonks! Méga, ultra, super stonks. Du coup, là, normalement, après, on va retourner sur le point initial, là. Je crois, on a fait la rotation, là, normalement, des points. On va voir. On va voir ça. Près du baril, oui, bah, sympa, la précision. Je sais pas trop où c'est, ça. Hein. Oh là là. Elle est bonne, la petite Tessa, hein. Elle est bonne, hein. Ah, la tête que je lui ai mis, là. On aime bien ça, hein. On apprécie. Et là, du coup, bon, ils y sont encore, je pense. Par là, on va aller au top. Là, on a du coup le point dans la cour, donc... Oui, je suis con, c'est le premier point, le middle, mais oui. Donc là, c'est bon, tu vois, on a fait la rotation. Oula, il y a peut-être un mec derrière, là. Il y avait une termite, hein, donc... je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a un mec au top, hein. Allez, là, ça, c'est notre point, par contre, hein. C'est notre point de prédilection, celui-ci. Il n'y a pas le droit à l'erreur, ouais, quoique. Peut-être pas cette fois-ci, hein, ça tourne. Ça va et ça vient. Ah là là, il avait plus de vie. Les deux n'avaient plus de vie, hein, vraiment. Ça n'est pas passé.
Bah au début tu vois je pensais que la game elle allait pas durer longtemps parce que les deux premiers points ça avait été full capture mais maintenant c'est un peu plus lent hein. C'est plus du tout pareil. Ouais j'ose pas trop m'avancer non plus hein. Je suis sûr qu'ils sont derrière la grosse botte de foin de toute façon. Ah il y en a sur le côté là aussi. Ouais je vois. Hop il y en a un autre au fond. Il est là. Allez, on prend le point, je prends des risques. Je vais sûrement mourir, mais je prends des risques. Parce que là, il respawn encore ici. C'est ça le problème. On se débrouille. C'est contest, mais on se débrouille. C'est rien, c'est un point stratégique. C'est rien, c'est la ferme. D'habitude, c'est la rue, mais là, c'est la ferme. On a tenu, hein. Maintenant, il est temps de se casser d'ici. C'est plus là qu'il est le point. On a tenu. Bien joué, l'allié. Oh, il y a un sniper là aussi. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Oh, la double. Oh, je t'aime, ma petite SA-87. Tu es très efficace, ma foi. Et ça, c'est la classe corps à corps. En plus, regarde, la distance. Elle est bing, hein. Elle est bing. Bon, y a encore les mecs là. Après là par exemple tu vois c'est un peu avec du brouillard donc je voyais pas trop où était l'ennemi. Ah bah il avait la SA tiens lui aussi ça tombe bien. Allez là si on capture bien ce point en vrai on prend une bonne avance. Après on est encore loin de la victoire il reste 100 points c'est fou ça. Comment ça a commencé si rapidement pour que maintenant ça se tasse si rapidement aussi. Tiens là tu vois pour défendre c'est parfait. Hop on reste ici un peu en retrait. Normalement ils l'auront pas le point. J'ai trouvé la bille. Hop voilà. On cover. On veut la victoire dans cette partie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de victoire. Donc là, on fait tout pour. Par contre, je sais plus si prochain point il est à l'opposé là. Ouais. Nous, c'est un peu cassé là, un peu brûlé. Là, je suis dans la merde. Ouais. Ah, il y en avait un autre. Bon, oh, normalement, s'ils sont tous églises, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre le point, non? J'espère. Là, on est à 175. Donc, ouais, tu vois, on prend celui-ci. On arrivera minimum à 200. Donc je pense qu'au prochain point, on peut terminer la partie. Voilà, pareil, du coup, je reste un peu en retrait pour défendre les distances. Ça peut peut-être arriver par là, après, je sais pas. Au moins, là, on a la défense. Oh, on est déjà à 200, c'est bon, c'est bon. Non, le prochain point, il suffit juste d'un minimum géré. Tu prends la première rotation directe et c'est bon, tu l'emportes, c'est la victoire. On a combien de kills, là? 25 kills, ça va, pour du Arc of Peak. Ça va. Y'a personne qui vient, hein. Bon. Du coup, attends, on va aller peut-être chercher. Mais pourquoi quand je fais demi-tour, y'a un ennemi? Oh, bah ouais, mais moi j'allais faire demi-tour là. Bon, on le fait quand même, hein, mais. Pour choper des kills un peu. Mais au final, bah non. Prochain point. C'est pas le mi. Non, bah c'est ici. C'est le fond où tout le monde spawn à côté là. C'est ici le prochain point normalement. Si j'ai bien retenu, ici même. Voilà. Exactement que c'est ça. Cette fois c'est nous qui allons nous faire un peu spawn kill je sens vu qu'on est direct au point. S'ils spawnent au même endroit que nous et que nous on spawn au même endroit qu'eux, je pense qu'on est parti pour un remake. De toute façon il reste un point. Allez on va aller ici au top. Ça va peut-être venir je pense, non. Voilà la petite double. Au moins par ici c'est clean. Ça conteste ou quoi là le point là. Il reste 10 points. Hein. J'ai envie de la terminer là maintenant hein, la partie donc c'est maintenant ou jamais. Go go go, on va sur le ping. C'est parti pour la victoire décisive. Eh, on avait mal commencé, on s'était pris plus de 50 points dès le début. Mais comme quoi, regardez, qu'est-ce qu'on a fait. Une remontada, dada. 27 kills, bon, c'était plutôt pas mal. Hein. Et c'est vrai que tu vois, j'ai trouvé la partie assez chill du coup, vu qu'il y avait vraiment pas d'atout, pas d'amélioration de combat, pas de side point. J'ai trouvé ça chill, voilà. C'est le résumé que je peux faire de cette première partie dans ce mode essentiel là. On va s'en faire une autre tout de même, hein. On va s'en faire une autre. Petit 27-13, voilà le 2 ratio qui passe crème en plus. Nickel. Nickel, nickel. Bon, ce serait bien cette fois du coup de tomber quand même sur une plus petite carte. Hein. Un petit Acne Yard, Gunrunner, Shipment. Où es-tu, Shipment? Un Rust même, je sais pas, mais une petite map là, je la veux celle-ci. Je sais pas si j'aurai la chance après de tomber dessus, mais j'aimerais bien la voir. Ça serait clairement pas de refus. À croire que dans ce moshpit essentiel, bah c'est pas vraiment un moshpit, mais plutôt un point stratégique, parce que je tombe que en point stratégique, même dans les parties déjà commencées. Hein. C'est parti donc sur Crash, bah voilà, on a notre petite map, hein, je pense, c'est bon.
Elle est garantie celle-ci, hein. Mais encore, hein, du point stratégique. Wow. Bon, en vrai, sur Crash, pas forcément, non. J'allais dire que ce serait plus rapide que sur Arc of Peak, mais ça peut tellement être qu'on teste les points que je sais pas, hein. Bah, c'est pas sûr. On va voir. Ça va dépendre, on va dire, de l'aspect capacité à capturer, quoi. Hein. S'ils veulent pas capturer, bon, ça peut être long. Dans le cas contraire, ça peut être beaucoup plus rapide que Arc of Peak. Allez, on est parti, on va prendre donc le Uzi pour cette deuxième partie. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de petit gameplay au Uzi. Donc c'est le moment. Alors bon, en vrai j'ai beau faire... Oh, il a traversé lui, hein. Pas mal de parties sur Crash en point stratégique, je crois que je connais toujours pas la rotation. Hein. Bon, forcément que le premier point il est à l'hélico, mais à part ça... par ça j'en sais trop rien. On va voir. De toute façon, on a gagné une partie en point stratégique. Là, on peut se permettre de pas trop jouer l'objectif, hein, mollo. Une partie c'est bien, deux parties c'est trop. Voilà, ça c'est le dicton parfait. Hop, nickel. Ah, ça joue Fall en face, sauf que bon, la Fall, elle a été nerf hier. Elle a moins de d'efficacité au corps à corps maintenant, même si elle est plus efficace en... Cette grenade! Ah mais oui, putain, j'ai pas des mineurs! Mais oui! Ah, j'ai rien dit en fait pour les atouts, hein. Je le disais dans l'intro, ouais, bon, les atouts, je m'en fous. Ouais, bah en fait, non, parce que le coup de pas avoir des mineurs, ça par contre, ça fait vachement chier. Mmh. Ah ouais. Après, du coup, je vais pouvoir gratter des kills sûrement à la grenade. Mais, enfin, la Semtex. Mais c'est pas très favorable, parce que là, on se prend une Semtex vraiment. Là, tu meurs en one shot, hein. C'est rapide, hein. C'est mortel! Vas-y, on va aller au top. Je vais même pas perdre mon temps, moi. Je vais jouer pupute. On va aller tout au top. Ta-ta-ta, le spot des puputes. Qui est déjà efficace avec un premier kill. Magnifique. Bon, les gars, par contre, là, je suis là pour défendre. Hein. Faut aller sur le point maintenant. Le mec, tu sais, il donne les directives, mais lui, il prend aucun risque. Hein. Lui, il est sur son toit tranquille, pépère. Et il dit aux alliés allez, premier point, là. Dépêchez-vous, là. Putain. Bon, au moins, on a déjà mis 35 points. Donc, c'est clean. Prochain point là-bas. Allez, on descend. Quoique, attends. Il s'est fait tuer lui, comment il se fait tuer? Non. Ouais, si j'aurais pu le venger, je sais pas. Il y a l'air d'avoir un ennemi là dans le bâtiment, je crois. Faisons gaffe en descendant les escaliers. Tu vois, je l'avais dit, c'était sûr. C'était clairement sûr. Hop. Oh mais là, tu vois, je suis un peu déçu. On est en série de 5 là, on aurait pu commencer limite à débloquer un petit adap. Ah, une 94! Oh. Ah, il faut qu'on fasse un petit kill à la N94, j'en ai toujours pas fait. A chaque fois que je la ramasse, bon, ça arrivait que deux fois. Mais à chaque fois que je la ramasse, je me fais tuer instant. C'est pas cool. Je crois qu'il y a un ennemi qui va arriver par là. Hein. Ou alors il arrive sur la ruelle, à droite. Tant pis. Allons au point. Bon, pour l'instant, c'est un 76-0. De toute façon, vu que la partie Dark Love Peak a duré bien longtemps, voilà. Cette game dure pas très longtemps, je m'en fous un peu. C'est pas très grave. Oh là, la N94. Alors on l'a séché en tout cas pour ce shoot si. C'était très efficace. On va recharger d'ailleurs un coup de balle. Hop là. On dirait qu'elle a un chargeur rapide en mode Black Ops là avec le rechargement double chargeur. Oui, c'est plutôt double chargeur d'ailleurs que chargeur rapide. On dirait ça parce que là, ça a inversé le chargeur, tu sais, comme quand tu mets chargeur rapide dans les Black Ops. Il y a un mec là. Il s'est fait sniper. Ah, il a pas raté son tir. Hein. Hop. Oh, le deuxième, on l'aura pas. J'ai plus de stimulant. J'ai clairement plus de stimulant là. Oh là là, la N94, ce n'est plus un gameplay Uzi. Allez, vas-y. Ouais, quoique non, allez, on continue encore la haine. Enfin, je suis pas mort, en vrai. Autant profiter de cette belle haine. Regarde ça. Ah, oh, dommage, lui, il s'est cassé. T'inquiète, après, on aura le temps de jouer au Uzi. Non! Ne jamais tourner le dos! Jamais! Mais vas-y, je suis deck, parce que là, on sans pitié, bah, on a rien, hein. On n'a pas de récompense, hein. Oh, le shoot! Désolé, c'est de passer de la haine à la Uzi, ça m'a fait un peu bizarre. Ça m'a fait comme un choc. Où lui? Ah, il était là. Mais j'avais plus de balles de toute façon dans l'Uzi. Ah bah c'est bien tombé en fait que j'ai ramassé la haine, j'ai pas fait exprès, j'avais pas vu. Il y en a, ils vont croire en regardant la vidéo. Ah, oh, il est malin le méga frontal. Il a changé d'arme, il a vu qu'il avait plus de balles. Pas du tout, non, j'ai rien vu du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ça a aidé, on va dire, le bon timing, mais pas du tout volontaire. Oh, lui par contre, il a la haine. Il a peut-être la haine aussi en mode irage, hein, mais ça je le sais pas, honnêtement, je peux pas le deviner, mais pour le coup, sinon, oui, il a la haine, hein, ça c'est sûr. T'as 121-8. J'ai vu que ça paraît cheater dans le chat, je sais pas pourquoi.
On les bat tellement, c'est vrai, violemment que ça peut faire douter des joueurs. Mais bon, putain, je suis 18 kills. Hein. On fire! On fire! Et je crois que je vais vraiment terriblement apprécier ce mode, moi, si ça continue. Hein. Le mode essentiel, c'est beaucoup trop bien, là. Hein. Oh, ah, dommage. Il y avait quoi comme arme, là? Haine. Ah bah, c'est la haine que j'avais. C'est la sienne, donc. Ah, elle est bonne, ton haine. Hein. Mais même si je suis sûr qu'il a pas encore la meilleure combinaison d'accessoires, genre... Je pense que je lui mettrai pas un viseur, je regarde en partie privée et son viseur de base a pas l'air trop dégueulasse non plus, hein, à la N94. Hein. Donc pas sûr que je lui mette un viseur moi personnellement. Oh, ça va être chaud, ils sont tous derrière le camion. Semtex peut-être? Non, l'allié a fait le ménage. Oh là là, le Uzi aussi tellement, tellement efficace et tellement sous-coté cette arme. Depuis qu'il y a les accessoires .41, je sais plus trop comment ça s'appelle là. Mais le canon et le chargeur là, ça c'est beaucoup trop efficace ce combo. Ok, ça c'est un ennemi non? Je sais pas. Pire là, il y en a un d'ennemi. Il n'est pas très bien placé là je trouve. Ça c'est un allié, je panique. Je suis sûr qu'il y a des mecs ici. Je vais jeter un petit coup d'œil. Ouais, il y en a un au top. Eh ouais. On est à combien là? 156 à 27. Oh bah la game elle va être plus rapide je crois hein. Là c'est... Bah c'est sûr. Ah là, hop. On est déjà de retour au point du middle en plus. Ça va vite. Tout va vite en fait dans cette game. Semtex, hop, on se casse. Dommage. N94, non, M13 ça. C'est quoi la N? Je vais voir la N94 partout moi. Et lui il est au top ou quoi? Il est au top. On peut peut-être l'avoir au Uzi, hein. Ah non. Ah sa boîte une mitraillette, elle peut faire l'affaire. Mais bon c'est monsieur AN94 donc... On a quand même une sacrée AR en face, c'est vrai que c'est compliqué. On va pas y retourner du coup, sinon il va encore nous mettre une mort. Pas envie de commencer d'enchaîner les morts après avoir fait ma petite sans pitié. Ce serait une mauvaise idée. Parfait. Je pense que ça va encore arriver EL peut-être. Pas pour l'instant. Du coup dans mon équipe ça m'en prend même plus le point je crois. Ils veulent tempo la game là. Hein. Je pense que pour eux là c'est allé trop vite d'un coup. Ah dommage, je l'ai entendu arriver mais déjà trop tard là, j'ai même pas eu le temps de me retourner. Et en plus là le prochain point il est pas du tout dans notre spawn, hein. Il est pour eux. Après on peut peut-être le reprendre. Hein. Oh non Georges, j'ai mis toutes les balles, plus 75 l'assist, hein. Merci bien. Ah, j'ai bien envie quand même de conclure la partie là. Hein. C'est bon, ils ont pris le point. Ça va peut-être arriver par là du coup. On va checker hein. Personne. Ah, ils sont au fond par contre niveau garage, genre. Ok. Et de 1, je suis sûr qu'il est pas tout seul. Hop. On s'infiltre par derrière, tranquille. On leur met la pression. Ça là, on va être à 200. Peut-être que le prochain point peut être décisif. Hein. Parce que là, ouais, on fait un bon 50 points et c'est terminé. Hein. Le prochain point, par contre, j'ai pas saisi où il est. Il doit être là, de toute façon, il doit être au fond ici. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mauvaise prédiction de ma part. Pas grave. Hein. On va faire avec. Ouais, là, ça va être chaud quand même d'avoir les points restants. Hein. Les 42 points restants. Bon, on tente. Hein. Allez, je vais avec l'allié dans le point là direct. Ça va pas être facile. Après, s'ils viennent pas sur nous, ils contestent pas, c'est bon. Hein. Oula. Des mineurs, reviens. C'est le seul point négatif de ce mode, c'est qu'on n'a pas des mineurs, je suis pas habitué moi. Hein, à me faire one shot par des explosifs. D'habitude, je suis tranquille, pépère. Ça vient pas, on est tranquille pour l'instant. Allez, on capture. Bien joué en plus, petite fermeture de porte. Cosy. On les aura démontés hein, les ennemis aujourd'hui hein, dans cette vidéo. Hein. Waouh. Surtout dans cette game. Regarde, on a même le tir penché ici, c'est encore plus royal. Oh, la porte là, ferme la porte. Putain! Oh! Eh hey, toi, dégage! Oh putain, je suis mort! Même pas! On a bien défendu là sur la fin. 29 kills, voilà, c'est. Aujourd'hui, c'était méga. Méga écrasada. Méga écrasada, pourquoi pas, ouais, allez. On va m'appeler comme ça maintenant. Et en plus, j'ai la petite qui calme. Avec cette survie, je sais pas comment ça s'est fait. La Semtex était quand même à côté, hein, mais tranquille! Le mode essentiel, c'est beaucoup trop bien, 29-9 là, aïe 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 aïe, beaucoup trop bien le mode essentiel, beaucoup trop bien l'N94 aussi, pas la même occasion. J'ai beaucoup aimé en tout cas ce mode, ouais, vraiment je valide à mort. LOL, cheat mort.
Du coup, je sais pas si c'était un mec de mon équipe ou de l'équipe adverse qui disait ça. Je pense que c'était un mec salé de l'équipe adverse qui rageait et qui disait ça du coup. Hein. Donc très bon mode en tout cas, voilà, je vous le conseille. Ce mode essentiel, malgré que quand la vidéo sortira, il ne sera plus disponible. Après, peut-être qu'il ressortira après. Donc vraiment, je vous encourage en tout cas à y jouer vraiment. Vous avez vu, de toute façon, avec ces deux parties, c'était méga ultra chill. Beaucoup trop calme comme... comme playlist. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. Et on se retrouve du coup bah, très très vite pour d'autres vidéos, que ça soit sur Modern Warfare ou sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!